Je vais vous présenter une application qui se nomme Tinkle et qui est super bien. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais te présenter une application de dépannage informatique entre particuliers et j'en suis sûr que ça va t'intéresser. Oui, mais Christo, comment ça marche? Il y a deux types de situations. Tu peux être demandeur ou dépanneur. Et d'ailleurs, dans l'intérêt d'être dépanneur, c'est que tu peux te faire de l'argent. Si tu es un demandeur, tu vas devoir sélectionner ton matériel, que ce soit ton PC, ton smartphone ou ta tablette. Et tu vas regarder les dépanneurs qu'il y a près de chez toi. Tu choisis le dépanneur en fonction de son prix et de ses notes. Alors attention, il n'y a pas de forfait à l'heure, c'est un prix fixe. Et ça, c'est super bien puisque déjà les prix sont assez réduits. Et si un dépanneur accepte, tu vas donc procéder au paiement. Bien sûr, la somme ne sera débitée qu'une fois l'intervention effectuée. Le jour du dépannage, le dépanneur fait son travail et puis après, tu l'indiques à l'application s'il l'a fait correctement. Et puis, tu as la possibilité, bien entendu, de le noter. Et maintenant, si tu es dépanneur, il restera juste à attendre eh bien, des demandes et puis à intervenir. Et juste à gagner de l'argent comme ça. On va se retrouver sur l'application Tinkle pour voir tout ça. Il y a 4 onglets, accueil où tu peux voir les dépanneurs à proximité ou commencer à sélectionner ton matériel. Donc là par exemple, je choisis un ordinateur PC, j'ai une liste de suggestions de problèmes. Alors imaginons que mon ordinateur est lent, bah je choisis votre ordinateur est trop lent. Et là ça m'affiche une liste de dépanneurs, dans ce cas là il y en a 2 et je n'aurai plus qu'à choisir le dépanneur puis la date de rendez-vous. Demande pour voir les dépanneurs que l'on contacte, message pour discuter avec les dépanneurs, donc ça c'est super bien, favoris pour garder donc mes dépanneurs favoris, et en haut à droite tu as un menu avec ton compte, les paramètres, l'aide, les informations de déconnexion, etc. L'application est simple, ergonomique et gratuite, elle est disponible sur iOS et arrivera donc sur Android en 2018. Les gros avantages sont que les prix sont très raisonnables et le paiement est sécurisé. Que si tu es demandeur, tu n'as pas besoin de bouger de chez toi. Tu es dépanneur, ça peut te permettre de gagner de l'argent si tu as des petites connaissances en informatique. En tout cas, ça me fait très plaisir de pouvoir vous présenter cette application aujourd'hui. Je suis très content puisque c'est vraiment entre particuliers et ce genre de concept, je le valide à 1000%. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Le lien de l'application sera aussi dans la description. Et puis tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.